Salut à tous les Marseillais. Ouais, je sais, je devrais avoir le sourire après cette victoire. 1-0 contre Rennes, c'est la bonne opération. Lens et Monaco, ils ont fait nul. Ah oui, je dois être très content. Je suis un peu, mais. Pff, je suis encore la défaite au travers de la gorge. L'élimination. Et pff, le jeu n'était pas fameux. Le jeu n'était pas fameux. Heureusement qu'on a été intelligent sur ce coup franc. Heureusement qu'on a joué avec notre tête. Et pas avec nos pieds, hein. Heureusement, hein, on a été costaud, mais pff, voilà, le jeu n'était pas là du tout. Manquait de mouvement, je sais pas en fait ce qui manquait. On n'avait pas trop la balle sur le, enfin on n'avait pas trop la balle en fait, on n'avait pas trop le pied sur le ballon. On manquait, pff, en fait, j'arriverais pas vraiment à dire ce qu'on manquait dans le jeu pour avoir plus le ballon. Là, c'était pauvre, c'était pauvre. Tout le match, on s'est fait chier. Le match, on s'est fait chier, les gars, on va pas se mentir. Il y avait. Je sais pas, j'ai limite, j'ai envie de dire, il n'y avait aucune envie. Ils sont contents, les joueurs, hein, mais. C'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà. Je sais pas, rien que. Moi, voilà, je m'attendais à un Vitinha en pointe, je voulais avoir un peu de changement. Parce que là, on le voit avec un Guendouzi. On voit sur le terrain, il a plus l'envie, il a plus la grinta, il a plus. Donc là, du coup, c'est difficile, forcément, c'est difficile. On le voyait, essayer de jouer la faute, mais ça fonctionnait pas. Et il commençait à se chauffer, et tout, avec l'arbitre, c'était difficile. Il a pas fait un bon match. Après, bah, pas les radis non plus. Les radis, chercher sans cesse la confrontation, mes frères. Je sais pas, ouais, joue ton match, je sais pas, je sais pas. Après, sur les côtés, Klose, comme d'hab, en vrai, Klose, il manque vachement de. Il manque d'efficacité, Klose. Je trouve qu'il manque d'efficacité. C'est vachement brouillon pour ma part. Pour ma part, je trouve ça vachement brouillon. Ensuite, Nuno, ah, Nuno, toujours pareil. Hein. Offensivement, ça peut être bien. Comme là, ça a été nul. En vrai, ça n'a pas été ouf. Il y a là où Sanchez, il fait la passe, avant, il tire. Ou alors, il fait le crochet, il tire. Mais là, je sais pas ce qu'il fait, il s'en mêle les pinceaux. Mais voilà, ce que le fait j'aime pas Nuno, c'est qu'il joue pour sa gueule. Regarde, comme là où il a tenté le dribble, là, on est à 15 mètres de notre surface de réparation, il essaie d'éliminer trois joueurs. Et non, grand, on repart tranquillement, je sais pas. Et défensivement, voilà, il m'énerve. Parce que même s'il se place pas bien, il fait pas les efforts. Il marche. Donc ça m'en vient, ça m'en vient. Mais au milieu, je trouvais un manque de présence. Alors Rongier, il a fait un très bon match, je trouve. Une ou deux erreurs, on va la relance. Mais Rongier, il a fait un très bon match. Vertu, on l'a un peu moins vu. On l'a un peu moins vu. L'entrée de Malinowski, elle n'a pas trop fait la différence. Ah, Malinowski, en fait, on le voit moins. En fait, quand il s'agit de pas presser, parce qu'on va pas se mentir que l'équipe presse moins, on voit moins. Parce que Malinowski, je pense que c'est vraiment un joueur de pressing qui presse. Qu'il a justement pour presser, pour montrer le tempo aux autres. Je pense qu'il est plus là pour ça. L'aspect technique, voilà, c'est vraiment ces éclairs de génie. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un gars qui va jouer au caractère, au mental. C'est vraiment comme ça. Après, voilà, en vrai, c'est difficile de tenir des conclusions de ce match, tellement en fait il était pauvre. Bon match de Bamba qui nous sauve à la dernière minute, mais voilà. Le match il était pauvre. Oh. Très ennuyant, franchement. Très ennuyant. C'était dur. C'était dur. Très long. Manque de présence dans les duels. Manque de grinta. J'ai l'impression qu'ils savaient pas ce qu'ils avaient envie de faire comme jeu. Donc bon, c'est comme ça. Voilà, on a fait la bonne opération. Voilà. On a 4 points de Monaco, c'est bien, on reste à 8 points du QSG, même si on ne va pas aller chercher le titre. Au moins la deuxième place avec des champions, ça serait vraiment bien. Voilà, mais voilà, je vais voir un autre jeu. Parce que Strasbourg, ils ont la dalle. Ils veulent se maintenir. Strasbourg veulent se maintenir. On va retrouver Morgan Sanson. Donc là, je veux du caractère. Je veux du caractère parce qu'en face, ils vont en avoir plus que Rennes. Rennes, ils en avaient. Strasbourg en a plus. Vous m'égâtez sur ce l'OM. Voilà, il faut vraiment gagner. Voilà, maintenant il nous reste 12 matchs. La saison va être très longue. La saison va être très longue. Mais bon, faut faire avec.
Tout faire avec. Et surtout, prendre les points. Très important. Surtout face à Strasbourg. Sur ce, allez l'OM.